Tu sais, ce bon père a dit que dans pas longtemps, tu seras d'attaque. Heureusement que j'étais là pour te ramener. Tu te rends compte? Si tu t'étais trouvé seul. Bien, enfin, ce que je veux te faire comprendre, c'est que lorsque quelqu'un est malade, il se sent tout de suite mieux s'il a auprès de lui un parent ou un ami. Toi, tu as des parents, Blondin? Ta mère? Non, même pas ta maman. Tu n'as personne. Tu es seul, hein? Comme moi, Blondin. On est seuls, tous les deux. Je n'ai que toi et tu n'as que moi. Il n'y a encore pas tellement de temps. Oh, quelle chienne de vie! Oh, il a fallu que ça arrive juste au moment où on allait empocher les dollars. Sacré démon! Il faut que je te dise une chose, Blondin. Tu ferais pareil si tu te trouvais à ma place. Vois-tu, pour toi, c'est fini, Blondin. Ce serait un miracle si tu en échappais. Oh, malédiction, tout est de ma faute. À moi, rien qu'à moi. Écoute, j'ai quelque chose à te dire pourtant. Si je savais que ma dernière heure est arrivée, je te jure, si en somme je me trouvais à ta place, je te jure que je dirais où sont les dollars, je te le jure devant Dieu. Je dirais quel nom est marqué sur la tombe. Quand on est mort, qu'est-ce qu'on en a à faire des sous? Moi, je sais le nom du cimetière, mais j'arriverai jamais à trouver la tombe. Et on attend. Blondin, tu as du café? Bien, allez, bois. Et dis-le-moi ce nom, allez. Je te jure, je te donne ma parole que dès que j'aurai ces dollars, j'honorerai ta mémoire. Tu peux être sûr que chaque jour je ferai prier pour ton âme. Approche. Dis-moi. Mais t'es déjà là. Je vais dormir tranquille. Oh. Parce que je sais maintenant que mon pire ennemi veille sur moi.